Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette de la mousse au chocolat. Alors, ça va pas être la recette traditionnelle que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être avec de la crème liquide. Je la trouve moins écœurante et plus légère. J'espère que la recette va vous plaire. Dites-moi ça en commentaire. Si vous aimez mes recettes, venez vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines sorties de vidéos. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits en barre d'infos. Et maintenant, c'est parti pour commencer la recette. 300 g de chocolat noir, 75 g de beurre, 40 centilitres de crème liquide entière, 3 œufs et 2 cuillères à soupe de sucre glace. On commence par mettre le plat et les fouets 20 minutes au congélateur ou au frais. Et donc on va prendre notre chocolat et le beurre et on va le faire fondre au micro-ondes. Une fois qu'il est fondu, on va le mettre de côté. Dans un plat, je vais venir casser mes 3 œufs. Ensuite, j'y ajoute le sucre glace et avec le fouet, je vais venir le faire mousser. Quand ça a bien moussé, je viens y ajouter le chocolat fondu. Et je vais le mélanger pour l'incorporer. Quand c'est mélangé, je viens le mettre de côté. Je sors mon plat du frigo et je viens ajouter la crème liquide. Et je vais venir la monter. Donc au début, je la fais monter à petite vitesse pour former des bulles d'air et ensuite je la monte à pleine vitesse. Quand la crème liquide est devenue bien compacte, vous pouvez arrêter votre batteur. Je reprends mon mélange de chocolat et avec une maryse, je viens ajouter de la crème liquide et je vais venir mélanger délicatement. Donc quand ma crème est mélangée, je viens l'ajouter soit dans un plat ou sinon dans des verrines et je la mets 2 heures au frais. La recette est terminée, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce à la vidéo si vous avez aimé. Venez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour voir mes prochaines recettes. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits en barre d'infos. Si vous voulez voir d'autres recettes, je vous laisse cliquer juste ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Bye !